Bonjour, bonjour, amis agro-entrepreneurs, amis agronomes. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de fraisiculture, la culture de la fraise. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à faire trois choses. La première, liker la vidéo en cours. Partagez dans vos différents réseaux pour davantage informer les gens, car nous savons que le plus dur en Afrique, c'est le manque d'informations, le manque de bonnes informations. Donc, ne soyez pas égoïste, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de, notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Alors, comme on le disait, aujourd'hui, nous allons parler de la fraise. La question que beaucoup d'entre nous nous posent, c'est combien de stolons un plant de fraisier peut produire? Combien de stolons un plant de fraisier peut produire? Déjà, vous pouvez constater que notre plant de fraisier a été planté à la maison. À la maison, on a utilisé les pneus usé de voiture pour planter notre fraisier. Alors, beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir combien de stolons un plant de fraisier peut produire. Alors, nous allons donc compter ensemble pour avoir une idée. Ça, c'est un plant de fraisier qui a déjà 2 mois et demi. Vous voyez qu'il a déjà commencé la floraison. Voilà déjà des fruits de fraises qui ont commencé déjà à produire de part et d'autre, comme vous pouvez le constater. Donc, on va compter ensemble le nombre de stolons que nous avons déjà, pour avoir déjà une idée. Donc, si on prend cette ramification, vous voyez que à ce niveau déjà, à ce niveau, c'est un plant de, c'est un stolon qui va pousser là, là en bout, tout au bout de la même ramification, c'est également un autre stolon. Là, ça fait déjà 2 sur cette ramification. Nous avons déjà 2. On va prendre encore. On va évoluer dans ce sens aussi. Voilà le deuxième stolon ici. Ce plan-ci, il est quitté de là pour aller là, qui a déjà poussé. Il s'est déjà séparé. Vous voyez que nous sommes déjà à 3. Toujours avec lui. Sur cette ramification, là au bout, ça va faire le 4e qui va continuer et sortir là. Par la suite, lui-même, il a encore continué. Voilà une autre ramification. Voici le 5e. Là au bout, voici le 6e. C'est ouvert. Le 6e. Et tout au bout, ça fait le 7e. Donc, nous sommes déjà à 7. En prenant cette ramification, voici un autre, ici, ça fait 8. Là, si on prend celui-ci, ça va faire 9 ici. Et avec celui du bout, ça va faire 10. Si on prend celle-ci, ça fait 11. Puis 12. Et avec celui du bout, ça va faire 13. Donc, nous sommes déjà à 13. Si on prend cette ramification, ça va faire 14 ici. 14 plus ici, ça fera 15. Et avec le bout, ça va faire 16. Si on prend cette ramification, ça va faire 17, 18 là ici et 19 au bout. Donc vous voyez que rien que sur ce plan de fraisier, nous sommes à 18 stolons. Ce qui fait que vous pouvez facilement avoir, ça c'est pour un seul cycle de production. Vous voyez un peu, pour cette saison de production aussi, on est déjà à 18 stolons. Ça veut dire que on peut facilement avoir 30 stolons par an. Parce qu'on a 2 cycles de production au cours d'une année. Or, au cours d'un seul cycle de production, vous voyez que nous sommes déjà à au moins 18 si on prend un minimum de 15. Vous voyez que
pour les deux cycles de production que le roi a par an, on pourra facilement avoir 30 stolons. Vous voyez un peu, on pourra facilement avoir 30 stolons. Il manque tout simplement qu'on on branche cette ramification-là et puis on a de nouveaux plans où on vient tout simplement sectionner. On va tout simplement sectionner à ce niveau et puis on met dans un sachet pépinière et on va replanter tout simplement. Vous voyez un peu. Et puis voilà comment on a grandi son cheftel de fraisier. Donc c'était pour partager avec vous un exemple palpable, parce que beaucoup se disent toujours non, le fraisier, est-ce que ça produit même en quantité, est-ce que la multiplication est même importante, vous voyez. Voici la vieille tige qui a donné ce stolon ici, qui est déjà lui-même déjà un bon plant de fraisier, celui-ci. Vous voyez comment il est déjà vieux. Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. D'ici quelques mois, on va commencer à consommer les fruits. Il y a déjà plusieurs là qu'il faut déjà sectionner pour planter ailleurs, afin de permettre aux fruits là de gagner en grosseur. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.